Dans cette nouvelle vidéo, nous nous entraînons à lire les grands nombres en pas à pas. Peux-tu lire ce grand nombre? Petite pause. Je remets les couleurs rapidement. Tu sais qu'il s'agit toujours de remettre les couleurs de la droite vers la gauche, mais de lire de la gauche vers la droite. Et je lis 230 milliards 78 960 000 1. Peux-tu lire ce grand nombre? Petite pause. Je remets les couleurs de droite à gauche et je lis de gauche à droite. 374 millions, puisqu'il n'y a pas de milliards. 628 914. Pour le troisième nombre qui se trouve ici, peux-tu le lire? Petite pause. Voici les couleurs que j'ai mises de droite à gauche, et je lis de gauche à droite, 52 milliards 687 millions 412 389. Peux-tu lire ce nombre? Petite pause. Je réécris les couleurs. Il n'y a pas de milliards ni de millions. C'est bien pour cela qu'il faut commencer par les unités simples tout le temps. Et je lis 120 003. Peux-tu lire ce nombre? Petite pause. J'y inscris les couleurs et je le lis de gauche à droite. 690 milliards 208 millions 735 000 60. Peux-tu lire le nombre suivant? Petite pause. Voici les couleurs. Attention, il n'y avait pas de milliards. Si je reporte bien les couleurs à partir de la droite, eh bien, j'obtiens ceci et je peux lire 15 687 968. Peux-tu lire ce nombre-là? Petite pause. Voici les couleurs. Il n'y a pas de millions ni de milliards. Il s'agissait de 78 384. Peux-tu lire ce grand nombre? Petite pause. Je réécris les couleurs. Et je lis 6 milliards 598 millions 200 000. Peux-tu lire ce nouveau nombre? Petite pause. Je lui écris les couleurs et je peux lire 240 milliards 200. Enfin, peux-tu lire ce nombre? Petite pause. Je le colorise. Et je peux le lire, 870 milliards 70 millions 8 012.